On arrive en fin de charge. Voilà, 99%. Et une chose que j'ai remarqué, c'est bien, ce sont des joints. Les joints de portière. Voilà. Alors, c'est pas posé de la même manière que moi. Et les joints sont plus gros, plus épais. Et là, c'est propre. Hein. Là. Alors, très honnêtement, c'est pas moi qui les ai posés. C'est un ami à moi qui habite en région parisienne. Qui lui a donc fait cette pose sur sa voiture et qui avait des joints en plus. Et au cours d'une visite que je lui ai faite, il m'a à la fois donc débloqué les fonctionnalités supplémentaires du AirLink pour avoir l'heure et la température sur le tableau de bord comme sur ta voiture. Et en même temps, il m'a posé les joints supplémentaires. Ce qui permet d'avoir un bruit de portière plus mat. Oui. Donc, et absorber un peu plus les sons quand on roule. C'est un petit peu... Et puis l'étanchéité contre la poussière. Quoique, bon. Oui, ça finit par passer quand même. Ça finit par passer, mais là, je vois, toi, c'est été. J'ai pas lavé la voiture depuis un bon moment. Et c'est pas très sale. Oui. Il faut dire qu'il pleut pas non plus. Il pleut pas beaucoup non plus. Donc. Les voitures se salissent pas. Surtout, c'est là, cette portière, je l'ouvre jamais, en fait. C'est l'autre côté. Ah, si tu l'ouvres pas, elle va gripper. Hein. je vais ouvrir l'arrière pour montrer. Ouais, l'arrière. Alors, l'ouverture des nouvelles Zoé, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est le loquet en plastique. Il n'a pas changé. Donc, il l'a fait, il est monté comme ça, et jusqu'ici. Ah oui. Ah, il n'a pas fait du tout comme moi. Hein. Mmh. Alors, moi, j'ai fait un. Voilà, j'ai fait vraiment n'importe quoi dans mon installation. Je trouve que ça marche très bien. Ah bah c'est propre. Hein. C'est ah moi c'est pas du tout pareil. Hein. Bon bah c'est parfait, c'est très bien. Voilà. Hop.